What's up guys? J'ai grindé. J'ai fucking grindé avec 26 298 piastres. J'ai juste pas cheaté. Non, non, pour vrai, j'ai pas cheaté du tout. D'ailleurs, même si je peux vous prouver que j'ai pas cheaté, les vieux amis de Yann, Yann est en deuil car Buster, whatever, est mort. Ce dernier vivra en étant moins toujours dans les souvenirs de Yann. Buster Clavel nous a quittés. Et dans le fond, ça se trouve être, genre, ça se trouve être le vieux que Yann aimait fucking. Mais il est maintenant mort, genre. He's not there anymore. Puis toutes les... Dude, pour vrai, j'ai grindé en Chris, là, mais... Dude, Gothic est rendu vieille! Holy fucking shit. Tout le monde est rendu vieux à cette heure. Ok, je pense qu'on était comme mardi dans l'épisode passé, puis maintenant on est rendu samedi. Tu sais, j'ai grindé pendant comme 3-4 jours. Pendant 3-4 jours in-game, j'ai réussi à me faire jusqu'à 26 298 piastres. C'est pas si peu. Mais là, Carlos, il a bientôt fini de peinturer sa shit. Ça veut dire qu'il va nous générer encore plus de moula. By the way, Carlos est enfin maintenant level 10 en peinture. Maintenant, il fait des toiles qui peuvent valoir jusqu'à 3000$. Lui, c'est juste 1600$. C'est un peu trash, mais whatever. Peindre une grande toile. Aussi, by the way, entre les deux épisodes, j'ai fait faire en sorte que Yann maîtrise le maître de la guitare en interprétant toutes les chansons connues. Dans le fond, c'est parce qu'il me manquait des tunes que je devais aller acheter, puis c'est pour ça que je les avais pas toutes par cœur. Fait que j'ai dû aller les acheter, j'ai dû les apprendre, puis bref, maintenant, il reçoit une version originale spéciale. Yeah, whatever. Mais ça, pour vrai, je comprends pas. Le store de la guitare, c'est... Ils doivent jouer dans au moins 10 fêtes et salles de la ville pour gagner ce titre. Ensuite, ils gagneront plus d'argent pour boire et pour leur représentation. Well, j'ai fait ça en deux épisodes parce qu'ici, j'étais juste à 1. Là, je suis rendu à 11, puis... Nombre de fois où les compositions ont été interprétées. Well, je sais pas si c'est ça, mais... ça a pas de l'air? Je sais pas, man. Well, you know what? Epic à mourir. Ok, ça, c'est la version originale que j'ai eue. Si c'est pas ça, d'abord, I guess que c'est quand que Yann s'en va, mettons, au restaurant pis ces affaires-là pour jouer de la guit et whatever, mais bref. By the way, il est bientôt 8h du matin. À 8h du matin, il y a all the good ass people qui s'en viennent au parc pour me tipper, boy. Fait que justement, en parlant de tipper, je sais qu'il y a un autre défi que c'est gagner 25 000$ en tip, mais ça va pas venir avant un crise de boot. Je vais pour les pourboires. Maintenant, vu que j'ai terriblement beaucoup d'argent... C'est l'heure de modifier la chambre des dudes. Gab, va dans ta chambre, man. Va dans ta Christie de chambre pour écrire le livre à la place. Écriture. Ouais, je suis encore en train d'écrire un roman d'amour, là. Love is in the air, boy. Et voilà. Va écrire dans ta chambre, man. Il faut que je modifie la chambre à Yann un petit peu. Ouais, c'est ça. The Callis, man. Bon, ok. Premièrement, let's go. Ça, on va tasser ça d'un cran. Et voilà. On va mettre ça en même temps que la, à la même place que la fenêtre. Deuxièmement, je sais que Yann, il y a un genre de petit meuble comme ça qui est tout petit. Même chose pour Joël d'ailleurs, mais. Je vais voir qu'est-ce que je peux mettre à la place. C'est genre un petit meuble tout noir, mais. Bref. Well, ça ressemble à ça, I guess. Mais je pense qu'il est plus long que ça, Yann. Je pense qu'il ressemble vraiment au meuble que j'ai personnellement, mais en tout cas. Je sais que Joël, par contre, son petit meuble ressemble pas mal à ça. Et voilà. Et voilà le Yann, joyeux Noël. Yann, il y a une genre de télé, entre guillemets. C'est pas vraiment une télé comme ça, mais écoute, Yann, vu que tu fais pitié en tabarnak, voilà ta propre télé. Dans le fond, c'est même pas une télé, c'est legit un écran d'ordinateur qui est plugué après le mur, that's it. Puis en même temps, je sais qu'ici, il y a une place qui range son linge. Ici, c'est une place où c'est que. Well, il range ses jeux vidéo, I guess. Fait que ça ressemble pas mal à quelque chose comme ça ici, mais en beaucoup moins gros. Et voilà, j'ai trouvé quelque chose, man. Et voilà, le Yann. Tiens, ça c'est juste pour toi. Joël, je sais qu'il y a un genre de système de son ici, à quelque part. Fait que.
m'a donné ça, I guess. Hein? C'est quoi? M'a donné ça à Joël, et voilà. Il l'avait-tu dans d'autres couleurs? Ouais, il l'avait dans d'autres couleurs, mais... Le nom, c'est pas mal bon. Alright. Ah, tu sais que Joël, il y a ben des tiroirs, genre, pour placer du stock pis ces affaires-là. Fait que je vais laisser ça comme ça. Je sais que ça fait un peu cuisine, là, mais... Je sais que son mur ici, il est packé, genre, de places de rangement pis ces affaires-là. Ça, on va déplacer ça. Je sais pas où mettre ça, là, mais on peut-tu mettre ça... Oh, nice! On peut mettre ça ici! Alright! En même temps, on va faire ça avec le Yann. Hey, j'avais même pas où placer ces affaires-là. Bonne place pour les mettre, aussi. Ça, pis... va pas mal juste manquer les posters, I guess. Fait que... Everybody's gonna get some posters! Bon, Yann, tout un gros poster de Legend of Zelda ici. Tain, on va dire que cet elfe-là, c'est Link. Ah, sure, man. Tain, Yann. Ça a coûté cher en tabarnak, by the way, but I got no regrets. Fait que Yann, sa chambre est pas mal finie, pour de vrai. Seule affaire qui reste, c'est que Yann, il y a un genre de mini garde-robe, si on veut. Il est pas si gros que ça, là, mais il est comme dans le coin ici. Je pense pas que je vais pouvoir faire grand chose, mais. Non, on m'a laissé ça comme ça, man. Just too bad. Yann, il y aura pas de garde-robe. Pis sinon, Joël, lui, je sais, il y a ben des acid posters d'anime pis ces affaires-là. Pis ici, il y a genre plein de CD vinyle. Je sais pas non plus s'il y a des CD vinyle, mais on va voir ça. T'as, guess que ça, c'est, ça va être tes CD vinyle, man. Je veux dire, on peut-tu en placer plusieurs? Yo! Yo, man, on peut en placer plusieurs. Oh, nice. T'as, ouais, man, ça va tout être... Ça, c'est genre tout tes CD vinyle, man. Je sais que ça passe en arrière du lit, mais que veux-tu? C'est un peu laid, moi, toi, give the shit. Maintenant, toi, t'as ben des acid wallpaper, dude. Fait que... Holy shit. Ouais, sure, on va mettre ça, man. On va mettre ça. Alright. Genre, en haut, ici, là. Est-ce que je sais pas quoi te mettre, man, Joël? Tiens, Joël, on va te mettre des animes, man. On va te mettre des fucking animes. Je sais, c'est pas des animes, but... we'll give the shit. Hey, j'ai trouvé ça, pis un petit quelque chose ici pour remplir le trou ici. Oh, on va mettre des fleurs, parce que Joël aime bien ça, des fleurs. Bro, l'environnement de la chambre à Joël, là, elle va être fucking on point, man. Joël va rentrer dans sa chambre, mais si son environnement est genre à 8500, si. Oh boy. Fait que that's that, I guess. Et voilà. Fait que j'ai fini avec la chambre à Joël. Y'a plus rien à faire, man. La chambre à Yann aussi est faite. Yann, il y a beaucoup moins de posters que Joël, mais bref. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, suicide, je m'en souviens plus, mais il me semble que non à ma mémoire. Donc, la seule affaire qui va rester, ça va être la chambre à Carlos, puis holy shit, ça fait crissement longtemps que Carlos y habite plus ici, fait que je me souviens de fuck all. Legit, je vais y aller au pif pour Carlos parce que, comme je vous dis, oh boy, I don't remember fucking anything. Je sais que Carlos, il y avait un genre des tiroirs comme ça en bas dans sa chambre. Une ou deux, je me souviens plus, mais il était blanc. Il y a ça dans le blanc, parfait. Ouais, well, c'est pas blanc, mais c'est... Y a-tu autre chose à bord? Ouais, sure, man. Sure, on va plus utiliser ça, I guess. Ou celui... Non, celui-là. Holy shit. Ça ressemble vraiment à qu'est-ce que Carlos avait, I guess. Bon, le petit ours... well, just too bad, man, mais il faudra que tu bouges. Chris, que c'est pas beau, man. Est-ce que c'est pas beau? Mais c'est parce que Carlos... il avait ben des tiroirs, puis je me souviens fuck all de plus qu'est-ce qu'il avait dans sa chambre. Je sais qu'il y avait une télé. Fait qu'on va aller prendre cette télé-là, puis on va aussi en mettre une dans sa chambre. Sa télé était vraiment mal placée, mais était genre ici. Fait que je sais même pas s'il va pouvoir regarder sa télé de sa chambre. Mais me semble un bout, pendant un certain temps, il était genre comme ça en plus, sa télé. Oh boy, ok. By the way, m'a juste supprimé ça deux secondes. Y'a-tu ça dans le blanc? Yes, y'a ça dans le blanc. Alright. Parce que je me souviens aussi que la chambre à Carlos était pas mal blanche. Pour vrai, c'est pas mal tout qu'est-ce que je peux faire avec Carlos à date. Et le petit ours, ben... Je sais pas où c'est que tu peux le crisser, boy, là, mais...
Attends, il va être là, man, dans le coin ici. Et voilà. Parfait, man. En fait, je me souviens plus que Carlos avait des boîtes que d'autres choses, genre... Tu sais, Carlos, là, c'est le genre de dude qui avait emménagé ici. Puis, il avait déballé aucune de ses boîtes. Puis, genre, toute la room ici, genre, c'est juste ça, des boîtes. C'est juste ça, des acides boîtes. Fait que... that's it, man. J'ai plus de cash, mais je sais pas non plus quoi mettre dans la chambre à Carlos. That's the problem. Oui, je sais que Carlos avait un laptop. Fait que je vais y acheter un laptop éventuellement, mais Carlos, peinture-nous une autre peinture, puis j'achète un laptop, man. Carlos, en fait, il avait pas de PC, il avait un laptop. Ah, il me semble qu'il avait pas de PC. Wait, y'avait-tu un ordinateur, Carlos? Je ne me souviens plus pas en tout. Oh boy. En parlant d'ordinateur, il faudra aussi que je change nos ordinateurs. Parce que là, en ce moment, on a des vieilles pieces of shit, là. Yann, tes besoins sont awesome. Carlos, Love is in the air avance bien. 68 pièces. Nice, nice, going and easy. Carlos est bientôt fini avec sa peinture. Puis au moment qu'il va avoir fini avec sa peinture, ben, je vais pouvoir acheter quasiment des ordinateurs à tout le monde. Puis à toi aussi, Carlos, man. Et voilà. C'est ça, réponds à ton téléphone, là. Puis après ça, tu vendras ça, là. Aider la peintre. What the fuck? Sure, why not, man? Ah, ouais, man, ouais, c'est ça, vends ça, là, puis fais ça, man. Fais ça tout de suite, puis après ça, tu iras bouffer, puis tu reviendras. 2496 pièces. Yann va contribuer au restant du money moula qu'on va se faire. C'est juste que le laptop à Carlos, je sais... Oh, what the fuck? Oh, il reste plus qu'une journée avant de payer. Holy shit, les factures, c'est vrai, Chris. Y a-t-il quelqu'un à la maison, man? Gab, avant d'aller dormir, va payer les assises de factures. Et voilà. Va payer les factures, boy. Nice. Ok, fait que ça c'est fait. Parfait. Plus 58 pièces. Nice, nice, nice. Carlos? Qu'est-ce que ça va faire ça, by the way? J'espère que ça va générer du cash. Je veux dire... I'm all about the moula, man. Exactement. Yann, il comprend tout, man. Yann comprend absolument tout. By the way, tu retourneras à la maison après. Puis tu iras faire à bouffer puis tout. Alors, qu'est-ce que ça donne ça, Carlos, man? Ouais. Anytime soon. La fraise est terminée. Vous pouvez vous vanter d'avoir participé au chef-d'œuvre. Oh my god, est-ce que ça suce? Et à l'année, toutes vos œuvres auront plus de... Oh, ça suce un peu moins d'abord. Là, on me disait, yo, j'ai gagné 0 pièce avec ça, fuck off. Et vos œuvres auront plus de valeur. Ooh, not like where the fuck you going with that. Oh, what the fuck. Si un de vos proches est mort récemment, vous pouvez apporter ses cendres au laboratoire scientifique pour... Yo, do that, Yann. Do that, man. Apporter l'urne et... Holy shit. Ton ami est mort. Carlos, qu'est-ce que tu crisses, man? Ah, Carlos, on va chercher une bière dans le garage. Ouais, c'est ça, dans le garage. Well, Yann, what the fuck? Je veux dire, t'as quelque chose à faire, I guess, là, mais... on va voir. By the way, Carlos, après ça, tu... Oh, non, Yann, pas toi que je veux. Oh shit, tes besoins, Carlos, sont affreusement sucky. Ouais, tu boufferas, Carlos. Puis après ça, je suis curieux de savoir que les œufs vont valoir combien. Ça, bouffe ça, là. On va attendre que tu bouffes parce que sinon, ils vont canceller l'affaire pis tout. Ok. Puis tu peintureras après. Une grande toile. Je suis vraiment curieux de savoir combien tu vas générer avec tout ça, boy. Gab, well, Joël, tes besoins ressemblent à quoi? Well, ok, Joël aussi, il faudra que tu pisses. Yann a gagné 1235$, ok, Yann, mais non, tu peux pas encore faire les cendres. C'est vraiment weird, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi ça va donner. Il va resurrect quelqu'un, man. Ok, Yann... Retourne ici, puis rejoue de la guette. T'as arrêté volontairement parce que t'avais envie de pisser, boy. Well done.
Non, j'étais ici, là. Oh my god. Félicitations, Joël, et niveau 5 cooking. Alright. Oui, pour ne pas boire. Gab, y'a rien d'intéressant qui se passe avec toi. Joël, après ta bouffe, tu iras pisser. Bro, t'es cave, man, by the way, hein, parce que Carlos, il avait fait de la bouffe. C'est ça. Oh, tabarnak de calice. Prends une assiette de ça. Ah, ça est encore bonne. Parfait. Puis après ça, tu amélioreras ça, boy. La nouvelle télévision à Yann. Yann, il est au parc, ok. Carlos. Puis Gab, man. Gab, calice. Écrire. Love is in the air. Et voilà. Good. Pis Carlos, combien que ça génère tout ça? Yann vient de jouer de la guitare au parc, ok. Yeah. 2200 whatever, c'est ça? Ou. Ouais, 2216, c'est correct. I'll take it. Vends ça. Pis, refais-nous une autre peinture, boy. Maintenant que on a juste assez de fucking cash, je veux dire, maintenant on a grindé un autre 5000. À la fin de l'épisode, c'est sûr que je vais pouvoir acheter un laptop à Carlos. Des nouveaux ordinateurs pour tout le monde parce qu'on est encore sur nos assises de IBM 1984. Puis après ça, ben, Yann. Oh my god, Yann, arrête donc de parler avec des assises de. Cyclone Sword! Holy shit! What the fuck? What the fuck is this? Humiliation a tendance à arriver juste après les commentaires insultants. Oh well. Ok. Well, Yann, ça c'est son problème. Joël est quasiment fini de bricoler après la télé. Carlos. Ouais, ok, good. I don't give a fuck. Prochaine journée, by the way, c'est la grande paye hein, pour les livres. Ok, fait que Joël vient d'améliorer la télé. All good in the neighborhood. Yann, va te coucher, mate. Carlos, aussi va te coucher ou... Ah, calice. Bon, ben, ok, d'abord. Joël aussi va te coucher. Oh my god, dude, guys, si vos vies sac la merde. Ça, pis... Ben, Gab, t'es le seul qui reste, man. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire, hein, présentement. Là. Tous tes chums, ils slack dans leur lit, man. Ben oui, Joël, en ce moment, t'es dans ta chambre, right? Je sais pas le... Bessie Clavel... Oh my god, bro, mais je m'en colisse ici. Yann, il a tellement connu plein de personnes que là, ils vont dire « Ah, oh, telle personne est rendue vieux. Oh man, oh, telle personne est rendue vieux. I don't give a fuck, mate. » Je veux dire, nous autres, on est les seuls qui ne vieillent pas. Ok, Carlos... by the way, dans ta chambre, je sais qu'elle est vide en crise. Au pire des pires, je vais genre faire un petit meuble ici avec ton laptop pis whatever. Là. Bon, oh Gab, si t'es pressé d'aller prendre un bain, Carlis. Ok, puis après ça, tu retourneras écrire et écriture Love is in the air. Ça serait cool que tu finisses ce livre-là avant que dimanche arrive. Je veux dire, on est rendu dimanche, mais je pense pas que ça va être le cas. Un roman d'amour, c'est crissement long, fait que. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres, boys? Ok, Yann, t'es assez dormi, boy. Yann est malchanceux, il se réveillera donc souvent avec le sentiment d'être dans un mauvais jour et cela le confirmera généralement. Ok. Placez le curseur sur un trait du panneau. Ok, mais c'est là que vous m'apprenez toutes ces essais d'affaires-là? Oh my god. Yann est grognon, Yann est malchanceux, Yann est tout, man. Puis il est totalement ravisse. Alrighty then. Puis après ça, Yann, tu s'en vas au parc pour te faire tiper, boy. Parce que ça me tente que ton 25 000 $ de type, ben. Soit accompli, I guess. Good. T'es besoin de ressembler à quoi, Gab? Tu peux attendre un peu. Je vais aller réveiller. Carlos, il est bientôt réveillé. Well, Carlos. Pourrait se réveiller techniquement, mais. M'a laissé dormir.
Yann a décidé de profiter du parc, ouais. À toutes les assises de jour, ici. Carlos! C'est ça, mange les assises de pancakes. Ok? Puis après ça, tu iras prendre ta douche. Puis tu iras peinturer. Comme d'habitude. Douche. Utilise ça pour que tu sois comme 100% dans tous tes besoins. Parfait. Gab, t'as-tu bientôt fini d'écrire ton essai de livre? Non, il va pas le faire. Je veux dire, il a jusqu'à midi, mais ses besoins saccent trop, donc too bad. Carlos fête son anniversaire bientôt. What the fuck? What? Ah, oh, sure, man. Yann, what? Bro, deux petites secondes. M'a juste sauvé le jeu. Est-ce que j'ai... Je veux dire... Je veux faire en sorte que mes Sims ne vieillissent jamais, mais... Oh, what the fuck? Bro, activer le vieil... J'ai jamais parlé d'activer le vieillissement. What the fuck are you talking about, mate? Bro, je savais pas que cette option-là, c'est activé pour... What the fuck, man? Alright, j'ai désactivé le vieillissement, fait que j'espère qu'ils vont plus me redire « Oh shit, c'est la fête de qui que ce soit! » Yo, vous allez manger de la merde, guys. Toi, Gab, t'as envie de pisser, mais Carlos est là? Well, just too bad. Ok, puis Carlos va peinturer ça. Après cette peinture-là, m'a voir combien que ça génère d'argent, puis on va voir, man. Après ça, je vais acheter des PC pour tout le monde, puis finir la chambre à Carlos. Puis après ça, on va finir là-dessus. Et voilà. Well, Gab, il se fait buster, man. Gab, il se fait buster. Gab, il va pisser dans ses shorts. Well, too bad. Gab va fucking pisser dans ses shorts. Ça, va manger des pancakes. Va oublier ton... Oh, tu sais quoi, man? Va pisser dehors, esti. Hein? Ça, je vous l'ai jamais dit, mais ça, c'est mon petit coin. Quand il y a quelqu'un aux toilettes, puis qu'on est l'été, puis que j'ai juste pas le goût d'aller aux toilettes, parce que quelqu'un, justement, qui a des toilettes, puis qui fait chier, ça, c'est mon petit coin ici pour pisser. Hey, Gab, let's go, man. Va pisser. Oh, calice que t'es cave. Ah, si, man, t'étais à deux pas d'être dehors. Tu pouvais pas te retenir, genre, deux secondes? Toi, qui t'a dit d'arrêter de peinturer, man? Bon. Et voilà. 1949. OK. Ok, boys, fait que c'est l'heure de modder l'ordinateur de tout le monde. Donc, pour vrai, il y a vraiment crissement pas beaucoup de choix, mais il y a genre... Crissement pas beaucoup de choix, là. That's it, c'est genre... C'est les... Holy shit, le fucking rose. Well, m'a les achetés noirs pour tout le monde, mais... Tu sais, il y a genre ordinateur IBM 1984. Ordinateur un peu cheapette, genre que ça fait... Un bout que ça existe plus. Hey, on va vendre ça. On va acheter ça. Oui, Noël, guys. Et voilà. Ça coûte crissement cher, by the way, mais... Pas grave, man. Holy shit, il y a même de la musique ici. OK. Et voilà. On va acheter ça pour Joël. Comme ça. Puis en même temps, en bas, ben, pour moi aussi. Et voilà. Puis ça, comme ça. Et puis je pense, ouais, exactement, j'ai plus d'argent pour le laptop à Carlos. Well, too bad. Mais, je vais genre, faire le petit bureau à Carlos. Comme avec tout le monde, avec cette chaise-là, puis et voilà, on va laisser ça là. Est-ce que c'est cher, but, whatever. Ça, le bureau, je peux-tu l'acheter? Ouais! On va le mettre ça là, I guess. Puis pour de vrai, je pense que la chambre à Carlos va être pas mal finie parce que comme je vous dis, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à Carlos, legit. Il y a juste trop dans... Je me souviens qu'il y avait ben des places pour ranger son linge, surtout dans le fond de sa chambre, là. Mais that's it, pour vrai. Puis il y a peut-être des posters. En parlant de posters, il faudra aussi que je mette les posters dans ici. Holy shit! Fait que... Je vais arrêter ça là pour aujourd'hui, guys. C'est... Enough is enough, man. C'était Historia Jutra. Puis à la prochaine épisode... M'a faire un peu qu'est-ce que j'ai fait au début de cet épisode-là. M'a grindé en deux épisodes. M'a grindé pour du cash. Puis... D'après moi... La prochaine épisode, c'est
probablement la finale. Legit, c'est, je pense que le prochain épisode, c'est la finale. Fait que, see you then, guys.